s'éloigner, cultive de l'espoir. Il est pompiste dans une station service au bord de la route. Mate les bagages qui s'entassent dans les soutes et leurs histoires. Il retourne encaisser ce type qui ne veut que des clopes et un briquet. L'air louche impliqué sous sa capuche, tu sens qu'il flippe. Il est peut-être en cavale, c'est pas son problème. Les flics débiteront leur thème pour prendre les bandes de surveillance. L'écriture sur les vitres avec le soleil semblant surbrillance. On est en plein mois de juin, les familles partent en vacances. La sonnette teinte un homme et une femme rentre avec leur gosse. Le petit vin soda, les parents un café pour leur pause. Il sourit, se dit que peut-être un jour il sera à leur place. Faut qu'il finalise son pax et trouve un endroit plus stable. Pour l'instant c'est passable, faudrait de meilleurs horaires. Tout dégénère quand arrive un Cadillac Escalade. Les types descendent, armes à la main, courent vers le magasin. Il descend la sienne vers la planque de son flingue. Ils arrivent, le braquent, apparemment ils cherchent un gars. Le type louche s'est planqué derrière un tapis de yoga. La famille tremble, cachée de justesse dans les toilettes. Il dit qu'il ne voit pas, qui ça, peut-être qu'il a dû repartir. Un des types tire, la balle lui frôle la tête. La voiture qu'il cherchait est garée sur le parking. Ils entendent du bruit dans les chiottes, la serrure est bloquée. Ils s'acharnent sur le loquet, puis tirent à l'aveuglette. Du sang coule sous la porte, quelques cris étouffés. Ils défoncent le bois, se rendent compte de leur méprise, finissent leur méfait. L'homme louche sort et leur tire dans le dos. Le pompiste en profite pour tenter de venger la famille. La fusillade se termine, il reste le seul debout. C'est fini, il titube et sourit, du sang coule de sa poitrine.